les CPJ? Aujourd'hui, je n'ai pas constaté, moi devant les CPJ, moi c'est coordonnatrice générale SPNH, moi accompagnée de porte-parole, non, délégué, non, directeur logistique, non, avec avocat, non. Donc, je vous dis, nous sommes venus policiers, nous sommes venus à la visite. Mais là, nous arrivons, nous voyons que le garde à vie est sale, il est senti, il n'est pas rempli de conditions, surtout pour les gens qui souffrent, qui respirent. Vive. Je les dis, hein, là nous arrivons, nous disons que faut que nous ouais ensemble avec responsable pour nous capables de mettre les policiers dans l'autre salle pour nous capables de prendre. Parce que les conditions hygiéniques ne sont pas respectées. Nous pile sous pile en dedans. Alors, ils ne mettent pas les policiers dans la garde à vie pour les policiers. Ils mettent les policiers à même côté ensemble avec toutes les détenus. Et la garde à vie est très très sentie. Conditions qui sont vraiment déplorables. Et là que nous allons ouais ensemble avec les chefs cabinet, nous arrivons dans le secrétariat chef cabinet. Ils ont dit nous pour ça que nous pas qu'à chef cabinet et que même côté hein nous disons bien ok pas de problème comment chef cabinet a relé ils ont dit nous pas qu'à pas non pas nous non le nous interroger policier qui t'a parlé à ce moment nous moi m'a dit est-ce que nous pas capable non il dit non pas nécessaire nous pas capable non et syndicat pas capable non nous disons bien ok pas de problème. Donc, n'a pas averti la presse, n'a pas averti le monde entier qui a regardé nous. L'opinion publique, là, sous les aujourd'hui, nous-mêmes dans le syndicat, nous rendons compte, il y a plus de monde qui a joué, il y a plus de monde dans l'État qui a fils, qui a joué, tous ces fils ensemble avec nous. Nous ne prenons pas ça dans le monde. Nous ne prenons pas ça dans le monde. Le syndicat existe, c'est eux-mêmes qui ne nous pas légal, c'est l'État qui ne nous pas légal pour nous fonctionner. Il y a plié en bas la loi pour nous fonctionner ensemble avec nous. Même si nous-mêmes nous mettons disponibles avec toute discipline. Pour nous, pour bien nous avoir la loi, pour nous fonctionner ensemble avec eux, il faut que ne pas continuer à violer les droits policiers. Parce que les policiers, c'est le monde même ensemble avec tout le monde. Si on entre dans la logique, il y a de marché sur les policiers. Il y a de l'aspiné policier, il y a de l'aspiné rêve policier. En bien, je ne veux dire, nous avons mis faire devant toute population pour qu'ils connaissent que les policiers eux-mêmes, ils ont subi un vandalisme. Parce que là, quand on comprend, nous entrons dans les CPJ. Bon policier campé, bon recommandement campé, pour la plonger droite dans la figure policier. La plonger droite dans la figure, loger droite dans la figure, s'arrêter, marcher en bas, bouche pendant ce temps, nous connaissons que Corona d'ailleurs. Tout le monde connaît qui dit ça, ce que le monde doit parler ensemble avec le monde. Je ne veux pas nous accepter ce genre de bagaille. Je ne veux pas nous dire non, c'est assez. Nous prêts pour nous travailler ensemble avec l'État. Pendant que nous avons demandé aux policiers, ils ont été disciplinés. Ils ont été disciplinés, parce que c'est pour seul nous, nous-mêmes policiers. Ah bien, je ne veux pas dire. Nous demandons pour l'État pays nous respecter les policiers, respecter les droits humains en général. Ce n'est pas comme ça qu'un pays fonctionne. Pour marcher sous l'œuvre aux jeunesse comme ça, il n'est pas bon. Nous ne pouvons pas prendre ça dans l'État. Est-ce que nous retrouvons dans le mouvement Fantôme 509 et puis qui réactionne par rapport à la déclaration de Luc Mandela qui dit sauver le groupe terroriste? Je n'ai pas choisi de répondre au Premier ministre par rapport à la déclaration que tu as fait. Ministre de justice. Parce que moi-même, moi j'ai preuve que le ministre de justice a son monde qui toujours prend plaisir pour la violer les droits de monde. Parce que moi-même, comme policier, il a violé les droits de monde déjà, je n'ai pas foutu. Je dis, pendant que je travaille, il a violé les droits. Donc, question 609 fantômes, je m'a toujours dit ça, je suis clair ensemble avec vous. Policiers, selon psychologues, selon sociologues, morale policier à 1. Toutes conditions réunies pour morale policier à 1. Donc, la morale policier à 1, l'État a supposé parler de tout éventuel. Si que, gros groupe qui va y notre tête libre, 509 fantômes, nous pas en affaire avec question des 509 fantômes. Notre défense policier, nous pas reconnaître ça qui est les 509 fantômes. Nous reconnaître qu'il y a des policiers. Donc, qui est le 609 fantômes. Nous ne pas reconnaître que ces policiers que vous voyez. C'est la justice avec la police qui pourrait faire des cotations pour la chercher qu'on est. Est-ce que ces policiers vraiment qui n'ont la rien comme 609 fantômes? Parce que côté que vous ensemble avec Kaboul là, est-ce qu'on m'a dit qui expérience que vous avez pour me décanter, pour me dire aux policiers au monde qui gagne au Kaboul, qui n'a pas aucun visage idiot, surtout vous m'a dit pour m'identifier comme policier. Si vous m'avez dit, je dis, est-ce que ces policiers qui sont là, oui, je ne sais pas, je ne connais pas, je ne pas dire non, parce que je ne pas avoir visage. Je ne pas de preuve pour ça. Donc, syndicat, il ne pas mettre 609 fantômes dans la rue pour défendre la cause. Donc, on y est parce que l'homme petit, c'est pas seul
regarder qui base qui fait le bon matin. Ce qui fait chita qui fait le bon matin. A bien jouer aujourd'hui à nous même dans le syndicat. Nous décomptons nous avec Zak banditis, Zak vandalis qui a fait dans la rue. Nous beaucoup bon côté pour les populations, parce que c'est la population que nous sortons, c'est la donne la tournée. Parce que l'État lui-même il y a pays de rechange. Policiers qui sont agents, ils n'ont pas de pays de rechange. Ils n'ont pas de pays de rechange. C'est en Haïti où ils vivent, c'est là qu'ils ont servi, c'est pays où ils ont servi et c'est là qu'ils ont plaidé. Merci. C'était juste pour venir côté en visite solidarité à tout à fait, tout à fait. Gardez, et ensuite, nous demandons pour qu'on retire tout policier et Pascal, Jean-Alexandre Pascal. Donc, dans les rues, nous demandons tout policier qui nous garde à vue ça, nous demandons au PC et à NDDH pour nous faire une visite. Notre CPJ assure responsabilité. Parce que les policiers, avec tout le monde qui est dans la vie, ils vivent dans les conditions que même les peuples ne doivent vivre. Parce que moi, je suis un monde, je viens dans la vie. Au-delà de la vie, tellement senti, je ne peux pas respirer, je ne peux pas taper. Donc, je suis obligé de retourner. Est-ce que c'est dans l'état ça? C'est vrai que le monde commet une infraction. C'est vrai que le monde fait un crime. Ligue pour louer avec la loi. Nous pas de droit passer l'État pour l'État passer pour la punir policière mais punir population pendant que l'idée est barreau. Ligue peine la loi pénale veille peine veille provision légale pour punir aux citoyens en vie supposé faire ça seule la loi mandé. Donc il n'y a pas supposé que les policiers ni notre monde qui n'a pas la vue dans l'état ça que nous là. Il pas bon. Vous considérez ça comme un moyen pour permettre que nous mêmes nous retardions sur revendication. Tout à fait, il n'y a pas de travail avec le syndicat. Si nous avons émis ça, parce que ça n'a pas Pascal, c'est le dernier policier qui dans la liste et Andy et dans la liste membre fondateur SPNH. Je dis à Pascal et pas dans le comité central, là, mais il fait partie membre fondateur et SPNH. C'est même jamais moi-même je dis qui porte parole. Donc il pas dit c'est pour ça que tu as choisi, je dis la vie de mettre sous moi, pour affaiblir SPNH. Nous dis non, ça va passer. Policiers restez mobilisés. Rete motivé, tant de mots d'ordre SPNH là. Donc, avocat avec nous, nous faisons ça selon les normes. Déjà depuis vendredi et 6h du soir, ils ont arrêté Pascal, sans mandat, sans provision légale. Et bien, je dis à mercredi, donc, jusqu'à maintenant, nous ne pouvons pas contrôler. Moi-même, personnellement, le diable de Vin là, il est 11h dans le midi, moi, témoin des chefs de conseil d'Alouel. Donc, de qui ça reproche, il dit nous, il n'y a pas de balle avec rien dans mes cours. Juste à ce qu'il a parlé là, nous voulons de qui ça a reproché.